Chers élèves, bonjour. Bienvenue en cours d'économie. La séance d'aujourd'hui fait encore partie du thème de la mondialisation et ses enjeux. Vous avez déjà étudié dans cette partie le premier chapitre concernant les échanges internationaux de biens et services et leur évolution. Vous avez déjà commencé le chapitre 2 concernant l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Vous avez déjà assisté à des séances sur la première section, l'évolution de la structure des échanges internationaux par produit, et concernant la section 2, le développement du commerce interbranche et intrabranche. Lors de la séance précédente avec moi, on a déjà entamé la section 3 concernant la division internationale du travail. En effet, on avait subdivisé cette section en deux sous-parties. Une partie qui a été consacrée à l'ancienne DIT, et dans cette séance, on va se pencher plutôt sur la nouvelle division internationale du travail. Donc, comme c'est convenu lors des séances précédentes, pour élaborer une partie de cours, nous allons consulter des activités qui figurent dans votre manuel scolaire. Alors, le premier document auquel on va recourir pour étudier la nouvelle DIT, c'est celui-là, l'évolution de la DIT. Alors, comme vous pouvez voir, donc j'ai fait ressortir plusieurs idées, les idées importantes qui vont nous servir à comprendre quand est-ce que a évolué la DIT, comment elle a évolué et qui sont les pays qui ont marqué l'évolution de cette DIT. Alors, commençons la lecture tout de suite. Depuis les années 1970, les pays en développement sont devenus dans leur ensemble principalement exportateurs de biens manufacturés. L'ancienne division internationale du travail cède ainsi la place à une nouvelle DIT, dans laquelle ces pays se spécialisent dans des productions fortement utilisatrices de main-d'œuvre, tandis que les pays industriels se redéploient vers des activités à haute technologie. Ce processus d'industrialisation ne concerne pas seulement les pays asiatiques, mais reste pour l'essentiel localisé dans un petit nombre de nouveaux pays industrialisés. 10 d'entre eux réalisent 85% du total des exportations manufacturières des PED. Les quatre dragons, à savoir Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud et Singapour, en effectuant à eux seuls plus de la moitié. Le développement des exportations manufacturières des NPI de la première génération ne porte plus seulement sur quelques activités traditionnelles, telles que les constructions navales, la sidérurgie et les textiles, mais s'étend désormais à une large gamme d'industries de haute technologie. Activités dans lesquelles la compétitivité prix et hors prix de ces pays s'affirme de plus en plus. Le même mouvement s'opère actuellement dans les NPI de seconde génération. Exemple, développement de la production et des exportations chinoises dans les industries mécaniques, électriques et électroniques. Donc voilà, donc on commence par le cadre temporel. Donc, comme on l'avait fait pour le document concernant l'ancienne DIT, donc on avait dit elle a commencé depuis le 19e siècle jusque dans les années 1970. Donc, la nouvelle DIT, elle s'est déclenchée depuis les années 1970 jusqu'à nos jours. Donc, on parle d'une nouvelle DIT parce que à travers le monde, il y a eu comme un processus d'industrialisation. Ce processus d'industrialisation s'est réalisé chez qui? Chez des pays asiatiques qui font partie des PED. Donc, on les appelle désormais des nouveaux pays industrialisés. Ces pays en développement
notamment asiatiques, qui ont réalisé un processus d'industrialisation, sont devenus, donc, ou ont développé leurs exportations manufacturières. Donc, ils sont devenus, donc on les appelle désormais les NPI. Alors, donc, on revient donc à ces PED, qui sont devenus des exportateurs de produits manufacturés. Donc, ils se sont spécialisés lors de cette évolution, voilà, au cours de cette évolution, dans des productions fortement utilisatrices de main-d'œuvre, c'est-à-dire dans des activités industrielles travaillistiques. D'accord ? Mais n'oublions pas le fait que les pays industriels depuis toujours, donc les pays donc, qui sont déjà exportateurs de produits manufacturés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont redéployés vers un autre type d'activité industrielle, notamment les activités industrielles de haute technologie en particulier. Donc, on n'oublie pas que dans le processus d'industrialisation des NPI, il y a eu deux vagues, et ça, vous l'avez déjà vu dans votre cours de géographie. Donc, une première vague qui marque donc l'apparition ou l'émergence des NPI de première génération, ceux qui se sont spécialisés dans les activités industrielles traditionnelles. Donc, et voilà donc les exemples que j'ai toujours surchargés en noir, donc tels que les textiles ou autres. Mais un peu plus tard, il y a eu une deuxième vague d'industrialisation, toujours chez les NPI. Donc, on les appelle, donc les autres, on les appelle les NPI de seconde génération. Ils ont fait un peu plus d'efforts d'industrialisation et ils ne se sont plus limités qu'aux industries manufacturières traditionnelles. Ils ont opté plutôt vers les industries de haute technologie parce que ce sont des industries encore plus compétitives que les industries traditionnelles. D'accord ? Et là, on remarque donc la montée d'une nouvelle puissance exportatrice telle que la Chine, dont des activités industrielles comme dans le domaine mécanique, électrique et électronique. Alors, un autre type de document, donc cette fois-ci, ce n'est plus un texte, c'est un graphique. C'est ce qu'on appelle un histogramme empilé, c'est-à-dire les données sont superposées. Alors, ce document-là donc, traite de l'évolution de la structure des exportations de marchandises par produit dans les PED. Alors, donc, ça donne une idée sur la participation des PED dans les exportations mondiales de marchandises. Et ça montre que leurs exportations de marchandises à ces PED-là, elles se répartissent en deux types de produits exportés, les produits primaires et les produits manufacturés. Donc, pour chaque type de produit, lui correspond une couleur. Alors, ça nous donne une idée aussi sur la part de chaque type de produit exporté dans leurs exportations totales de marchandises pour une même année. Donc, et là, on peut lire un pilier à lui seul. Et si on veut voir l'évolution comme le montre le titre, alors on doit lire horizontalement, c'est-à-dire d'un pilier à un autre, d'une année à une autre. Alors, je vais faire d'abord l'exemple de la lecture d'une seule année. Alors, comment on peut lire, prenons l'année 2004 par exemple, comment on peut lire ces deux chiffres-là, le 74% et le 26%? Parce que la lecture, elle se différencie de la question posée. Ça dépend, est-ce qu'on vous pose une question, est-ce qu'on vous demande de lire des données statistiques pour une année, relative à une seule année, ou bien est-ce qu'on vous demande de montrer l'évolution? Donc, au cas où donc, l'une des deux questions va être intégrée dans les exercices et les examens, on va faire les deux. Alors, pour l'année 2004, on remarque que alors, les PED donc, exportent des marchandises. Et la part des produits primaires dans le total des exportations de marchandises est de 26%. Alors, comment on peut rédiger notre phrase d'interprétation? Donc,
Les exportations, je vais vous donner un exemple. Les exportations des produits primaires représentent 26% dans le total des exportations de marchandises des PUD et on n'oublie pas l'année 2004. Donc il faut toujours le chiffre, il faut toujours l'année, il faut toujours le sous-ensemble et l'ensemble. Donc maintenant, on passe aux produits manufacturés. Alors, les exportations des PUD en produits manufacturés en 2004 représentent 74% dans leur total des exportations de marchandises. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai donc exprès formulé ma phrase d'interprétation de deux manières différentes. Et à vous de choisir la forme qui vous convient le plus, celle que vous pouvez adopter et utiliser et refaire. Donc, l'essentiel, c'est que les points restent les mêmes. Vous n'oubliez aucun point, aucun détail. Alors, passons maintenant à l'objectif de ce document. Donc, le document-là veut qu'on montre qu'il y a bel et bien une évolution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre l'évolution de chaque type de produit. Commençons donc par les produits primaires. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que leur part dans les exportations de marchandises totales chez les PUD, elle est passée de 81,50% à 41% à 26%. Donc, on voit bien qu'il y a une part qui régresse, une part qui décline, une part qui tombe. Donc, on peut dire que les PUD exportent de moins en moins de produits primaires dans le total de leurs exportations de marchandises depuis l'apparition, voilà, depuis l'évolution de la DIT vers une nouvelle forme. Passons maintenant aux produits manufacturés. Donc, on va suivre les chiffres. Donc, de 18,50%, on est passé à 59% et on est encore monté à 74%. Donc, il est clair que la part des produits manufacturés exportés dans le total des exportations de marchandises des PUD n'a cessé d'augmenter. C'est une augmentation continue, donc jusqu'à devenir une part majoritaire, une part importante. Donc, on peut parler là d'une augmentation des exportations de produits manufacturés dans les exportations de marchandises des PUD. Donc, il y a bel et bien une évolution dans les deux catégories de produits, mais une évolution à la hausse pour les produits manufacturés et une évolution à la baisse pour les produits primaires. Première chose à prendre comme note sur votre cahier, donc le premier paragraphe qu'on va noter, ce sont les caractéristiques de la nouvelle DIT, comme on l'avait fait pour l'ancienne DIT. Alors, première caractéristique, c'est que la nouvelle DIT se caractérise par un processus d'industrialisation, non seulement du côté des pays, mais également du côté des PUD. Deuxième caractéristique, les pays ont développé leurs industries vers des spécialisations de plus en plus fines dans les activités de technologie de pointe. Comme on a présenté les caractéristiques des pays, on doit aussi présenter les caractéristiques des PUD, qui deviennent aussi des exportateurs de biens manufacturés et se spécialisent à leur tour dans des productions industrielles fortement utilisatrices de main-d'œuvre. Parmi eux, certains pays asiatiques sont devenus des NPI en développant leurs exportations manufacturières. Aux activités traditionnelles s'ajoutent des activités de haute technologie de plus en plus compétitives. Dernière caractéristique, c'est que le développement du commerce intra-branche de qualité et de variété des produits manufacturés s'est réalisé donc entre les pays d'un côté et les NPI d'un autre côté, puisque tous les deux, donc ces deux groupes, sont des exportateurs de produits manufacturés, mais il ne s'agit pas évidemment des mêmes produits
manufacturés selon, ils se distinguent par des différenciations marginales, soit de qualité, soit de variété. Alors, passons maintenant à un autre document qui figure dans notre liste de tout à l'heure. Cet autre document, il va se focaliser sur ces NPI, ces pays asiatiques qui font partie donc du groupe des PED et qui ont émergé, c'est-à-dire ils sont apparus, ils se sont développés, ils ont avancé, ils ont pris un peu plus de place dans le peloton des pays industrialisés. Donc, on va faire une première lecture globale, ensuite on va revenir sur les caractéristiques de ces pays asiatiques émergents qui sont les NPI. La structure du commerce international est un bon reflet des transformations de l'économie mondiale. L'émergence de certains pays en développement caractérise la nouvelle forme de division internationale du travail. L'accès de la Chine au cinquième rang mondial des puissances exportatrices, derrière l'Union européenne, les États-Unis, le Japon et le Canada, est une des manifestations les plus éclatantes de la place croissante occupée par les pays asiatiques en développement dans le commerce mondial. Une telle montée a été rendue possible par le développement des exportations de produits manufacturés de plus en plus sophistiqués, notamment pour ce qui concerne Taïwan et la Corée du Sud. La part des matières premières dans les exportations chinoises est ainsi passée de 37% en 1985 à 10% en 1996, tandis que celle des produits de haute technologie explosait de 1 à 21%. Les pays comme la Corée et Taïwan sont désormais devenus des pays industrialisés à part entière et se positionnent sur les mêmes marchés que les pays développés. Alors, en effet, donc, on nous informe qu'il y a eu des transformations dans l'économie mondiale. Ces transformations donc, coïncident en même temps avec cette nouvelle forme de déité, qui est la nouvelle déité. Et qu'est-ce qu'on remarque avec, comme transformation majeure? On remarque l'émergence de certains pays en développement, qui sont devenus des puissances exportatrices, qui ont pris une place croissante, une place de plus en plus importante dans le commerce mondial, qui ont bénéficié d'une montée dans le commerce mondial. Alors, qui sont ces PED? Ce sont les pays asiatiques. Grâce à quoi? Grâce au fait qu'ils ont développé leurs exportations en produits manufacturés. Donc, comme on avait vu dans l'autre document, d'abord en commençant par certains types de produits manufacturés faisant partie des activités traditionnelles, puis petit à petit, ils ont monté en gamme vers les produits les plus sophistiqués. C'est ce qui explique ces chiffres-là, cette explosion de leur part dans les exportations de produits de haute technologie. C'est ce qui explique aussi pourquoi ils sont devenus des pays industrialisés à part entière. C'est ce qui explique pourquoi aussi ils ont pu se positionner et être présents avec les pays développés sur les mêmes marchés et constituer de vrais concurrents sérieux. Alors, donc, on note ici, on rappelle ici plutôt donc, les anciennes puissances exportatrices et on nous informe que ces pays-là, donc ces NPI, tels que la Chine, sont devenus donc, des exportateurs au même titre que ces anciens pays industrialisés. Ce que j'ai noté en rouge exprès, c'est ce qui nous rappelle ce qu'on vient de voir dans le graphique précédent, c'est-à-dire que la part des exportations en matières premières, en produits primaires, elle a diminué pour ces PED. Passons à un autre document. Toujours concernant la nouvelle DIT et toujours concernant ces PED dans la nouvelle DIT. Alors,
On a d'un côté donc ces NPI émergents qu'on vient de voir dans ce document qui vient de passer, mais on a aussi une autre catégorie de PED qu'on va appeler désormais les PMA. Pourquoi PMA? Parce qu'on les appelle les pays les moins avancés. Par quoi se caractérisent ces PED appelés PMA? Par une marginalisation. Être marginalisé du commerce mondial, ça veut dire être exclu, ça veut dire être à l'écart, ça veut dire, même si on participe de façon vraiment négligeable. Alors, on va lire ce document-là. Vous pouvez remarquer que j'ai tout coloré en rouge parce que leur situation, elle est aussi alarmante. Hein, donc, et on va voir par quoi se caractérisent ces pays-là et pourquoi ils sont marginalisés. Les parts du secteur de l'agriculture sont en position de recul au sein du commerce mondial. Mais beaucoup de pays pauvres dépendent considérablement des exportations agricoles. Un nombre supérieur à 50 pays en développement dépendent de l'activité agricole qui représente au minimum un quart de leurs recettes d'exportation. Ces pays empruntent actuellement un chemin descendant. Ils exportent des produits qui représentent une part du commerce et des revenus mondiaux en déclin et qui, de la sorte, mettent en péril leur place au sein de la répartition mondiale. La plupart de ces pays dépendent d'une gamme de matières premières très restreinte et dont les prix au niveau mondial sont en net déclin. Entre 1997 et 2001, l'indice des prix combiné pour toutes les matières premières a chuté de 53% en termes réels. Donc, toutes les informations sont d'ordre négatif. Toutes parlent de déclin, de chemin décroissant, descendant, de recul. Donc, la situation des PMA est bel et bien une situation donc négative. Ces pays-là, pardon, ils sont effectivement marginalisés. Pourquoi? Parce que ce sont des pays pauvres, ce sont des pays dépendants des exportations agricoles et que, d'après ce qu'on a vu dans l'évolution de la répartition donc par produit, les parts des secteurs de l'agriculture dans le commerce mondial donc, sont en recul. Donc, ça descend. C'est pour cela qu'ils empruntent un chemin descendant. Rappelez-vous, tout à l'heure, lorsqu'on avait consulté le document concernant les NPI, il n'y avait pas... Il y avait une caractéristique opposée, donc ils ont parlé de montée, ils ont parlé de chemin ascendant. Là, on parle de chemin descendant, ils ont parlé de place croissante plutôt. Alors, mais c'est la même chose. Alors, donc la part de ces pays dans le commerce et la part de ces pays dans les revenus mondiaux, elle est en déclin. Donc, c'est ce qui fait que ces pays-là, puisqu'ils dépendent d'une gamme de matières premières très limitée, très restreinte, c'est-à-dire des pays qui exportent presque rien du tout, ou bien donc quelques produits, ou même dépendant d'un seul type de produit. Donc, étant limité ou étant dépendant d'une catégorie de matières premières très restreinte, ceci explique bien sûr leur déclin dans le commerce mondial. Ceci explique pourquoi cela met en péril leur place dans le commerce mondial. Cette expression de mettre en péril, vous l'avez déjà vu dans la partie 3 de votre programme, lorsqu'on avait parlé donc du développement. Donc mettre en péril, donc ça veut dire menacer. Hein? Lorsqu'on avait parlé des coûts de la croissance qui mettent en péril le développement. Exactement. Hein? Donc c'est une expression qui veut montrer que quelque chose est menacé ou risqué. Alors, ajouter à cela, bien sûr, c'est que l'indice des prix de tout ce qu'ils exportent sont des indices qui chutent. Voilà, donc concernant les NPI et les PMA qui font partie des PED. Donc passons à cet autre type de prise de notes. Donc j'ai préféré alléger donc, les informations et les noter sous forme de schéma.
pour mieux les visionner. Donc, on va montrer à travers ce schéma-là donc, comment le bloc des PED a éclaté. Donc, il y a un genre d'éclatement. Donc, on avait un bloc uni des PED et avec la nouvelle DIT, ce bloc, il est scindé en deux. Il a éclaté en deux sous-blocs. D'un côté, on a les NPI, d'un autre côté, on a les PMA. Ces PMA, d'après ce qu'on vient de voir, ce sont les exportateurs de produits primaires, et on vient de l'expliquer pourquoi. Ces NPI, d'après ce qu'on a vu dans l'autre document, ce sont les exportateurs de produits manufacturés. Ils ont commencé par les produits manufacturés banalisés, ceux qui se basent sur une forte intensité de facteurs travail, puis ils ont donc évolué comme étant exportateurs de produits manufacturés de plus en plus sophistiqués. Donc voilà, cette schématisation vous permet de mieux montrer ou retenir l'éclatement du bloc des PED. Alors, dressons maintenant le bilan de la nouvelle DIT comme on l'avait fait pour l'ancienne DIT. Donc, on a une domination encore plus renforcée des pays dans le commerce mondial grâce à leur spécialisation dans la production et l'exportation des produits manufacturés qui sont sophistiqués, qui sont intensifs en technologie de pointe et qui ont une très grande valeur ajoutée et qui sont à demande mondiale en expansion. On a aussi un éclatement du bloc des PED qui n'est plus un groupe homogène, mais plutôt hétérogène. Donc, d'un côté, on a une émergence réussie du côté des NPI dans le commerce mondial. Grâce à quoi? Grâce à leur spécialisation dans la production et l'exportation des produits manufacturés, d'abord banalisés, intensifs en main-d'œuvre productive, ensuite grâce aux exportations des produits manufacturés de plus en plus sophistiqués qui intègrent les technologies de pointe. Enfin, on a une marginalisation du côté des PMA dans le commerce mondial à cause du fait qu'ils n'ont pas évolué depuis l'ancienne DIT, c'est-à-dire qu'ils ont gardé leur même ancienne spécialisation comme étant des exportateurs de produits primaires et que leur situation s'est encore détériorée ou dégradée ou reculée ou aggravée. Alors, donc, on va maintenant donc retenir dans cette quatrième prise de notes, c'est ce qui doit donc être présent dans votre cours, c'est ce qui va constituer votre cours, donc la marginalisation des PMA. Donc la marginalisation, elle est bien double. Pourquoi on dit que la marginalisation des PMA, elle est double et non pas une simple marginalisation? D'abord parce que leur marginalisation est quantitative. Ensuite, parce que leur marginalisation est qualitative. Donc, vous ne devez pas vous limiter à dire que la marginalisation est double parce qu'elle est quantitative et qualitative. Vous devez en plus justifier et expliquer que veut dire marginalisation quantitative et que veut dire marginalisation qualitative. Donc, elle est quantitative, car la part des produits primaires dans les exportations mondiales de marchandises est en régression, car la demande mondiale des ménages pour les produits alimentaires diminue, car les prix des produits agricoles baissent et les prix des produits énergétiques et miniers fluctuent sur le marché mondial, donc ne restent pas stables. Donc tous ces facteurs-là expliquent pourquoi leur marginalisation est quantitative pour les PMA. Maintenant, pourquoi leur marginalisation elle est qualitative? Car ils sont dépendants des exportations d'une ou de quelques matières premières, mais pas très demandées sur le marché mondial. Et leurs indices des termes de l'échange se détériorent sans cesse. Et l'indice des termes de l'échange, bien sûr, pour faire référence aux indicateurs du commerce extérieur, c'est, on parle ici de l'ITE, qui est toujours inférieur à 100 du côté des PMA. Voilà, donc la section concernant la division internationale du travail arrive à sa terme. Donc on a élaboré entre la séance précédente et cette séance-là, toutes les deux divisions internationales du travail, à savoir l'ancienne et la nouvelle. Donc, on arrive à la fin
Et je vous propose, avant de se quitter, une activité à la fois de récapitulation et d'évaluation comme convenu. Alors, placez dans le schéma ci-joint les termes suivants dans l'espace approprié. Donc, comme l'autre fois, donc je vais vous donner un schéma. Dans ce schéma-là, vous allez réfléchir aux différentes cases donc, et vous allez donc décider quel terme doit-on mettre dans quelle case pour avoir un ensemble d'informations cohérent. Donc, premier terme, les années 1970, l'ancienne DIT, la nouvelle DIT. Voilà les trois premiers termes. Les deux autres termes, les pays, les PED. Deux autres termes encore, domination des pays, éclatement du bloc des PED. Ensuite, un autre terme, spécialisation fine des pays dans les produits manufacturés sophistiqués de haute technologie. Un avant-dernier terme, émergence des NPI, exportateurs de produits manufacturés banalisés, puis sophistiqués. Et dernier terme, marginalisation des PMA, exportateurs de produits primaires. Donc, voilà le schéma en question. Donc, regardez le schéma. Donc, il a un sens bien particulier. Donc, on va du haut vers le bas. C'est comme si c'était en fait un axe de temps. Donc, mais pas horizontalement, plutôt verticalement. Donc, en haut, vous avez une case principale qui est divisée en deux cases. On avance dans le temps, on a une autre case au milieu divisée en deux autres cases. On avance encore dans le temps, donc avec la flèche vers le bas, une dernière case et qui contient deux autres sous-cases. Donc, regardez bien cet axe de temps du haut vers le bas. Et je vous remets donc les termes à placer. Donc les années 70, l'ancienne DIT, nouvelle DIT, les différents groupes de pays participants, les deux événements marquants et les différentes caractéristiques des différents groupes de pays. Vu que c'est un axe de temps, c'est évident donc, qu'on va mettre des événements d'abord, des événements ensuite, des événements enfin. Alors, voilà le schéma en question. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et enfin, voilà la réponse. Donc, on commence notre axe de temps par, évidemment, l'ancienne DIT. Qui sont les groupes de pays participants dans l'ancienne DIT? Les pays et les PED, évidemment. Un peu plus tard, vers les années 1970, qu'est-ce qui s'est passé? Deux événements marquants. Donc, un éclatement du côté du bloc des PED, mais en même temps, une domination chez les pays industrialisés. Et ce passage vers les années 1970 qui a marqué l'évolution vers une nouvelle forme de DIT, donc on arrive donc à la nouvelle DIT. Par quoi elle est caractérisée, cette nouvelle DIT? Donc, du côté des pays, elle est caractérisée par une spécialisation fine des pays industrialisés dans les produits manufacturés sophistiqués de haute technologie. Par contre, de l'autre côté, par quoi se caractérisent les PED qui se sont éclatés en deux sous-blocs comme on l'avait vu dans le schéma de tout à l'heure? Donc d'abord par une émergence des NPI exportateurs de produits manufacturés, d'abord banalisés puis sophistiqués, et par une autre caractéristique, c'est quoi? C'est la marginalisation des PMA exportateurs de produits primaires. Donc voilà cette activité qui récapitule donc toutes les informations nécessaires pour comprendre les caractéristiques de l'ancienne DIT, pour comprendre l'évolution vers la nouvelle DIT et les caractéristiques de la nouvelle DIT.
Donc, cette section est achevée. Donc, on a terminé avec la division internationale du travail. Je vous remercie pour votre attention. Je vous recommande de revisionner cette séance et celle d'avant pour mieux assimiler le contenu donc, de la division internationale du travail. Et je vous invite à suivre les séances prochaines avec mon collègue. Merci et au revoir.